Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis André, le coach minceur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous détailler un cocktail absolument explosif pour maigrir des bras. Peut-être que vous êtes dans une situation où vos bras sont trop gros, trop gras, trop mous, que vous avez les bras qui pendent. Eh bien, sachez que ce n'est pas une fatalité, qu'il existe un cocktail explosif, magique, pour maigrir des bras. Alors avant de vous détailler les ingrédients de ce cocktail, et sachez qu'il y en a trois, je vais d'abord vous expliquer un principe élémentaire avant de commencer à maigrir des bras, c'est de prendre ces mensurations. Vous devez absolument prendre la mesure de votre bras. Ce sera l'occasion d'avoir un élément objectif de mesure par rapport à vos bras. Vous savez, parce que parfois on fait des exercices qui prennent un certain temps, et puis après un certain laps de temps, on a envie de savoir si ça a marché ou pas, on se regarde dans le miroir, et c'est très difficile de constater l'avancement de ses efforts. Tandis que quand on a ses mensurations, quand on connaît le diamètre de ses bras, et qu'on les reprend, eh bien, on a absolument une mesure objective pour nous dire si on a avancé, si on a stagné, si on a reculé dans nos efforts. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose que je vous invite à faire. Alors, au niveau du cocktail explosif, premier ingrédient, c'est l'alimentation. Pour perdre des bras, il faut perdre du gras. Et pour perdre du gras, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, on ne va pas faire le détail de l'alimentation, dans les moindres détails qu'il faut avoir par rapport à ça, mais juste vous donner peut-être quelques astuces, quelques trucs pour diminuer le gras. Première chose, buvez de l'eau, un maximum d'eau. Diminuez vraiment les boissons sucrées, un maximum. Deuxième astuce par rapport à l'alimentation, c'est de diminuer le sucre. Le premier réflexe à avoir pour diminuer le sucre, c'est de diminuer les sodas. Même les light, vous les évitez totalement. Ensuite, pour diminuer le gras, il faut diminuer ce qu'on appelle le gras trans. Le gras trans, vous le retrouvez dans les pâtisseries, dans les pâtes à tartiner, dans les céréales raffinées. Vous le retrouvez aussi dans les huiles pour frire les aliments. Donc vraiment, vous diminuez le gras trans. Et vous allez plus vers des aliments qui sont à indice glycémique faible. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur mon blog. Vous y recevrez un détail de tous les aliments à indice glycémique faible. Donc ça, c'est le premier élément du cocktail, c'est l'alimentation. Deuxième ingrédient du cocktail, c'est le sport. Alors pour maigrir des bras, il n'y a pas 36 solutions. Vous faites des pompes. Alors si c'est trop difficile pour vous de faire des pompes à même le sol, vous les faites sur un mur ou vous les faites sur une chaise. Et puis, petit à petit, vous arrivez à avoir un effort sur le sol. Vous pouvez aussi faire des haltères, tout simplement, ou faire des dips, c'est-à-dire que vous mettez vos bras contre une chaise, vous descendez et vous remontez, vous descendez et vous remontez. Troisième ingrédient pour ce cocktail magique, c'est la volonté. On ne peut pas continuer à faire des efforts quotidiennement, des exercices et adapter son alimentation sans volonté. Et pour ça, je vous prépare une vidéo que je posterai demain pour vous donner tous les ingrédients pour avoir une volonté absolument inébranlable. Partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la et je vous dis à demain pour les astuces qui vont vous donner une volonté de faire. À demain !